Voilà, rendez-vous aujourd'hui puisque je vais faire une interview d'un réalisateur qui a réalisé un film à La Réunion et en fait son film il est sélectionné dans la catégorie des films indépendants, donc c'est une compétition, enfin, c'est une sélection annexe en fait qui s'appelle Acide, donc c'est que des films indépendants. Et donc ce film il a été sélectionné, il est projeté à Cannes. Et là ça s'annonce plutôt pas mal, puisque on va être sur une plage et il fait beau et il n'y a pas de vent. Donc ça c'est bien parce que s'il y a du vent c'est pas bon pour le son. Et s'il fait moche c'est pas bon pour l'image. Donc là tout va bien a priori. C'est toujours beau à Cannes même si c'est un petit peu fresqué. Et du coup tout va bien. A tout de suite. On arrive à la plage Nespresso. Bonjour. Bonjour. Donc ça y est, je viens de finir l'interview. Du coup j'ai pas eu le temps de filmer les préparatifs parce que c'est pas qu'on était à la bourre, mais bon voilà, j'avais installé la caméra et tout et je ne voyais pas parler à la caméra alors que le matériel était installé, donc ça s'est bien passé. Ça a duré près de 20 minutes donc voilà, donc ça fera un petit sujet avec les extraits du film. Donc là en fait on est, je suis toujours sur la plage Nespresso et en fait vous voyez peut-être pas d'ici, mais tout au fond il y a comme un bar Nespresso et ils offrent le café à tout le monde en fait. Je ne sais pas est-ce que si tout le monde y a accès ou pas, mais en tout cas les cafés sont fous. Donc voilà, j'en ai pris un. Et puis ben là du coup je vais attendre un petit peu parce que j'ai une interview qui vient de se caler là cet après-midi. C'est une réalisatrice qui a réalisé un court métrage mais qui est pas diffusé dans le festival de Cannes même, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Donc du coup c'est pas tout de suite, ça va être en début d'après-midi. Donc là il est quelle heure, je sais pas, il est 11h à peu près, donc voilà, il est 11h10. Je vais attendre un peu et puis je vais la retrouver après, on va un peu du soleil. On est arrivé à la Napoule et en fait là on est dans un château. On est dans un château à quoi, 10 minutes de Cannes et en fait on va voir une projection de court métrage, il y en a 4. Donc voilà. On est avec elle. Merci, vous venez pas du coup ? Si, je vais me garer. Ah d'accord, ok. Et en fait là on est dans un espèce d'espace culturel. Là c'est un peu moderne mais en contrebas il y a un très joli château et dans le château par contre je sais pas ce qu'il y a mais est-ce qu'on voit de là, peut-être faut descendre un peu. Donc en fait c'est là c'est le festival Vision Sociale et c'est que des courts métrages. Ah bah là il y a une belle piscine et donc on a la vue là tout au loin de la baie de Cannes. Donc c'est quand même pas mal. Là je me dirige vers le palais des festivals puisque je vais faire la montée des marches mais celle de 19h. Alors le petit problème c'est qu'en fait je devais faire celle de 22h mais on a finalement trouvé des places pour celle de 19h donc c'est un peu mieux, mais le problème c'est que j'ai pas eu le temps de maquiller ou quoi que ce soit, donc là du coup je suis en basket. Et je suis juste habillée en fait, j'ai pas été maquillée, je me suis pas coiffée. Mais bon, c'est pas grave. Et puis là, du coup, je vais récupérer mon ticket pour monter les marches. Et puis, on verra bien. Mais bon, c'est dommage. J'ai eu juste 20 minutes pour enfiler ma robe et partir. Donc voilà. Sinon, c'est un peu meilleur là. Parce que ce matin, il faisait froid à Cannes. Enfin, il fait beau, mais il fait pas super chaud. Donc voilà. Mais bon, je suis hyper contente de pouvoir faire la montée des marches, pardon. Enfin, du coup, on m'a même pas dit quel film j'allais voir.
parce que évidemment bah, le but de la montée des marches c'est aussi de voir la projection après, donc voilà, moi, je vous emmène, je ne sais pas trop comment ça va se passer là, à tout de suite. Je suis arrivée devant le palais des festivals et normalement je devrais rentrer. Et donc je vais voir Love Manual de Jeff Nichols. Je sais pas trop ce que ça va donner, bon bah. Je vais y aller parce que il ferme l'accès à 18h15. Donc à tout à l'heure. On est dans la file d'attente, juste devant les marches, enfin juste à côté des marches, et on attend juste de pouvoir les monter. Et là en fait pour l'instant c'est un peu les stars, mais je vois pas qui c'est qui monte. Il y a le grand écran, mais pour l'instant il n'y a personne, mais ça n'a pas trop commencé parce qu'il y a des gens qui sont descendus. Et donc a priori c'est pas encore. Il est 18h50, il est encore tout. Donc je pense que ça va commencer tout seul, c'est une musique. Donc voilà. Par contre, après la musique, il y a un peu de déplaisante. Aller voir le film, mais je sais pas où ça se passe. On va aller chercher. Donc là, je suis arrivée dans la salle et en fait, là, ce qui est diffusé, c'est la montée des marches en direct. Bon, sinon, il y a Tembel Infâme, mais on sait pas pourquoi. Après la montée des marches, il y a la descente des marches. Et là, il y a l'équipe du film qui descend, qui redescend. Voilà. Il redescend tranquillement, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça y est, la séance vient de se terminer, il est 21h20. Bah, c'était pas mal, en fait c'est l'histoire, enfin c'est inspiré d'une histoire vraie. En gros ça se passe dans la fin des années 50, où le mariage aux États-Unis, le mariage mixte est encore interdit, donc voilà, ça raconte l'histoire d'un couple mixte. Donc voilà, ouais c'était plutôt pas mal. Après, moi je trouvais qu'il manquait un petit peu de dialogue, parce que c'était assez silencieux, enfin, il y avait beaucoup de musique et de silence, mais sinon ouais, c'était beau comme film. Donc voilà, du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger, parce qu'il est déjà 21h. En fait, c'est la deuxième montée des marches, il y en a plusieurs dans la soirée et ça dépend, en fait, je crois qu'il y en a eu un à 19h, donc 19h c'est l'officiel. Et ensuite on a une à 21h je crois, et des fois il arrive qu'il y en ait aussi à 23h. Bonsoir, bienvenue à l'occasion de cette montée des marches, la troisième de la journée. Voilà, pour la Jonathan Jacques. Ça y est, je suis rentrée à l'hôtel, donc c'était juste pour finir le vlog et puis... Et puis pour raconter un petit peu la montée des marches, ben ça s'est fait assez rapidement comme vous l'avez pu voir. Parce qu'en fait moi je pensais que c'était vraiment très restrictif. C'est bien marqué sur l'invitation qu'on n'a pas le droit de prendre de photos ni de vidéos. Et en fait non, tout le monde s'est donné à cœur joie. On va dire, même si il y a des gens qui vous rappellent que voilà, il faut aller très vite parce qu'il y a beaucoup de monde à monter les marches. Et du coup, voilà, il faut aller vite. Et moi j'étais pas très certaine qu'on pouvait filmer et prendre des photos, donc du coup j'étais un petit peu réticente à en prendre, mais bon j'ai pu prendre quelques photos et même filmer un petit peu. Niveau tapis rouge, bah, on a vu. J'ai vu Kate Moss, Kirsten Dunst,
c'était pas fou non plus. Mais bon, voilà, j'étais quand même toute contente. Et puis voilà, la salle où ont lieu les projections, elle est hyper grande aussi. Donc c'était bien aussi de la voir parce que j'ai jamais eu accès à la salle avant. Donc bah voilà, je suis ravie. Bah écoutez, je vais vous laisser puisque là du coup demain j'ai encore des interviews à faire. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Bye bye.